Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Alors, je vais y rajouter peut-être si quand même, regardez l'éditorial d'Olivier Pirot de la Nouvelle République du Centre-Ouest qui écrit ce matin dans l'édition du 15 mai 2012. Servier fait aujourd'hui face aux victimes présumées du Mediator, au cœur, dit-on, du plus gros scandale sanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale et révélateur dans l'opinion de la puissance des groupes pharmaceutiques. Une affaire qui risque aussi, écrit toujours Olivier Pirot dans la Nouvelle République du Centre-Ouest, une affaire qui risque aussi de tous les faire basculer dans la suspicion générale. Dans cette histoire, ce n'est pourtant pas Jacques Servier qui tient le rôle clé, ni la justice, ni l'État, ni l'agence du médicament. Le personnage central reste le docteur Irène Frachon, qui continue ces jours-ci encore à contrer la défense de Servier. La pneumologue de Brest, qui se bat depuis de nombreuses années contre le Mediator, représente à elle seule les manquements de sécurité autour du médicament. Elle représente aussi l'attachement, le dévouement des médecins à leur cause, car le médecin, et encore plus le médecin généraliste, entretient un lien particulier avec ses patients. C'est le médecin de famille auquel on voue une confiance absolue. Mais la chimie, aussi bénéfique soit-elle pour certains maux, n'est jamais sans contrepartie. Et si les Français l'acceptent, c'est parce qu'ils ont confiance à ces docteurs dont Irène Frachon honore la profession. Sainte Irène, bienvenue au matin. Je suis protestante, il n'y a pas de saint chez moi, donc ça, ah oui, ça me protège. Je pense qu'il y a quelque chose à la fois, bon, ce sont des hommages bien sûr auxquels je suis sensible, mais qui me mettent très mal à l'aise parce que je suis un médecin tout à fait ordinaire. Je défends vraiment avec beaucoup de force l'idée que beaucoup, beaucoup de mes confrères se sont engagés dans cette vocation pour une vocation assez naturelle. C'est à la fois un métier, bien sûr, stimulant sur le plan intellectuel, mais on a aussi envie et de rendre service, d'accompagner, de soigner, en sachant que c'est un métier difficile, on est faillible, on peut se tromper. Donc c'est tout un tas d'éléments qui paraissent assez évidents, peut-être à un petit enfant qui va jouer au docteur. Et puis, quelque part, j'ai découvert aujourd'hui que ça pouvait se perdre très très loin, cette idée-là. Et ce serait dommage qu'être un médecin ordinaire devienne une sanctification, enfin. Alors, on va bien sûr parler de ce qui s'est passé, notamment de ce qui risque de se passer et qui a démarré à partir d'hier, où s'est ouvert donc à Nanterre le premier procès pénal contre le laboratoire Servier, donc connu comme le procès Mediator. Le fondateur du laboratoire Servier, Jacques Servier, qui a conçu et commercialisé le Mediator, risque 4 ans de prison, 37 500 euros d'amende. Plus de 350 victimes de ce médicament demandent donc une réparation au laboratoire devant le tribunal correctionnel, sans attendre une autre procédure qui est en cours, c'est-à-dire l'instruction menée par le parquet de Paris, mais qui n'est pas sans poser des problèmes peut-être pour la suite justement de ce procès. Vous nous expliquez en deux mots ce qui coince dans le fait qu'il y ait deux procès en même temps et que l'un puisse contredire l'autre et le faire annuler, Irène Frachon. Alors, j'espère pas, pas. Oui, je vais essayer de pas dire de bêtises parce que je suis pas du tout juriste. L'idée générale, c'est que lorsque cette affaire a éclaté, une instruction, donc il y a eu une enquête préliminaire, puis le début d'une instruction, et tout le monde a en tête, lorsque l'on rentre dans ce domaine des scandales de santé publique, malheureusement des précédents qui se sont terminés quand même par, en tout cas des naufrages judiciaires, avec des instructions qui se sont enlisées indéfiniment, et qui ont abouti à des jugements qui n'avaient plus beaucoup de sens, puisqu'il n'y avait plus, notamment pour l'affaire de l'hormone de croissance, il n'y avait plus pratiquement de prévenus ni de victimes. Tout le monde était mort. Donc c'était totalement aberrant dans tous les sens du terme, parce que je pense que une suspicion et une inculpation d'aussi longue durée pour des personnes qui peuvent être relaxées peut être tout aussi difficile que, bien évidemment, la longue marche de souffrance des victimes. Donc c'est vraiment une sorte de malédiction du traitement de ces affaires de santé publique. Alors, c'est vrai que l'instruction qui est en cours sur l'affaire Mediator semble avoir peut-être tiré une certaine partie des leçons de ces affaires, et on sent qu'il y a un dynamisme et des moyens qui ont été mis en œuvre. N'empêche, de mon petit regard, je suis quand même frappée de voir le temps, l'infini temps qui est passé pour étudier des détails de cette affaire, alors qu'il y a au départ une tromperie commerciale d'or, enfin, qui est
très très simple. Alors, l'idée des avocats des victimes qui ont choisi la citation directe repose sur des éléments, les éléments suivants, c'est que nous disposons, et d'ailleurs, dans mon livre, j'ai publié mon livre parce que j'avais à disposition quelques éléments, des documents qui attestaient d'emblée d'une tromperie. Je crois que ça frappe beaucoup les lecteurs de ce livre, qui sont révoltés quand ils lisent ce livre. Certes, les autorités de santé traînent, etc. Mais surtout, il y a des éléments de tromperie qui sont absolument invraisemblables. Et ça a été complété par... Mais donc vous dites qu'on les voit quand même comme le nez au milieu de la figure, a priori, si on est attentif. Comme le nez au milieu de la figure. C'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est cet aveuglement, ou d'un autre côté, quand les écailles tombent, le décilement. Mais ça rejoint aussi cet aveuglement, beaucoup d'autres affaires. Enfin, moi, je l'ai compris en rencontrant beaucoup de victimes. Victime du Distill Ben, justement, après cette affaire. Et qui m'ont permis aussi de comprendre que même si la délinquance là, qui est à l'œuvre dans l'affaire Mediator est totalement exceptionnelle, les comportements qui me paraissent invraisemblables dans les procès, dans les procédures, par les bataillons d'avocats, j'ai, en écoutant les récits des victimes du Distill Ben, je retrouve la même violence procédurière, le même déni, enfin, tout un tas d'éléments, et donc ça m'a placé dans cette difficulté, pas tous pourris certainement, pas question de diaboliser l'industrie pharmaceutique, mais en même temps, il y a un comportement type qui est extrêmement choquant et qui n'est pas limité à celui des laboratoires Servier, alors que l'industrie essaye de faire vraiment une... En préparant cet entretien, je vous disais, bon, il faudra à la fois pouvoir être précis, pédagogique, comprendre les choses. Et vous m'avez répondu de cette phrase qui m'a laissé perplexe, parce que du coup, comment va-t-on y arriver? Vous m'avez dit, mais de toute façon, c'est quand même hors norme, cette affaire. Oui, c'est hors norme. Je pense d'ailleurs que dans cet aspect hors norme, on y trouve une explication d'une si longue délinquance. Je vais vous expliquer très simplement pourquoi. En résumant, l'isoméride, un coupe-fin des laboratoires Servier, a été interdit en 1997 parce qu'il attaquait les vaisseaux du poumon et les valves du cœur. Et ces risques-là étaient connus, restez assis, depuis les années 70. Et l'interdiction intervient en 1997. Donc on a déjà là un immense scandale de santé publique, et qui d'ailleurs va faire l'objet d'un certain remous et d'un certain scandale, mais qui va être étouffé par des actions procédurales menées par les laboratoires Servier contre les quelques médias qui vont essayer de faire éclater cette affaire, Le Parisien. Donc l'isoméride est interdit en 97, et les Américains, qui travaillent vite et bien, découvrent ce qui est toxique dans l'isoméride. L'isoméride se transforme en un poison extrêmement puissant pour les valves du cœur une fois qu'il est absorbé. Ce poison porte un nom scientifique, mais on s'en fiche, ça s'appelle la norfenfluramine, mais bon, il n'y a rien de plus à savoir de compliqué. Eh bien, imaginez que Servier, qui était le fabricant de l'isoméride, va laisser en France, alors qu'il y a une interdiction mondiale de l'isoméride, qui va aboutir d'ailleurs à des actions collectives aux États-Unis, des milliards de dollars d'indemnisation, je passe, rien en France ou pratiquement rien, Servier va laisser sur le marché, en France, un médicament qui est prescrit massivement, qui va en plus remplacer petit à petit l'isoméride comme coupe-fin, et qui, une fois absorbé, génère le même poison que l'isoméride aux mêmes concentrations. Ce médicament, c'est le Mediator. Et c'est en l'occurrence sur les valves du toujours, du cœur. La même chose. C'est le même poison qui fonctionne de la même façon, s'attaque au vaisseau du poumon, qui s'attaque aux valves du cœur. Et pire encore, l'isoméride, dans les dernières années, il y avait eu quelques précautions de prise. On avait dit qu'on ne peut pas dépasser 3 à 6 mois de traitement, parce que sinon ça augmente les risques de toxicité de ce médicament. Et le Mediator était prescrit pour 10 ans, 20 ans. Donc une exposition à des taux très élevés d'un poison parfaitement identifié pendant 10 ans, 20 ans. Alors, notamment, vous êtes, vous, évidemment, à l'origine de toute cette histoire et de cette révélation-là, mais pas seulement, il y a la revue Prescrire, dont vous parlez, en juin 2006, et qui notamment s'assure que l'on maintienne depuis 67 ce fameux Mediator. Il y a ensuite aussi des interdictions, tout de même. Le Mediator est retiré du marché en Espagne et en Italie en 2003 et en 2004. Bon, et puis vous commencez à vous intéresser très activement à cette affaire-là, en février 2007. Bah, moi, en fait, je découvre
une patiente, effectivement, qui a consommé du Mediator. Bon, mais et... si j'essaie quand même tout de même. Alors, en même temps, Irène Frachon, tout le monde n'en est pas mort de ce fameux Mediator. Et au fond, quand l'affaire a éclaté, combien, notamment, d'amis IES, pardon, ont dit « Oh, ben, j'en ai rien pris, moi, 2 mois avant d'aller à la plage pour les vacances, et ça ne m'a pas tué ». Heureusement. Ben oui, peut-être, non, mais je... bon. Peut-être que d'ailleurs, si la valvulopathie attaquait tous les consommateurs de Mediator, ça aurait été une affaire comme celle, par exemple, du Stalinon dans les années 50, qui était une espèce de petite boule. Le quoi ? Le Stalinon, premier grand scandale médicamenteux qui a fait des centaines de morts en France dans les années 50. Et quand vous regardez les journaux de l'époque qui parlaient de la souffrance des victimes, et puis les experts qui disaient qu'il va falloir mettre plus d'indépendance et plus de transparence, on a l'impression qu'on pourrait faire un copier-coller avec ce qui est écrit aujourd'hui. C'est absolument stupéfiant. Ce sont des historiens du médicament qui m'ont rapporté tout ça, et je me suis dit qu'on ne sortait pas d'un système, effectivement, de le médicament est un bien de consommation qui est produit par des industriels, des intérêts privés, donc qui ont des objectifs de rentabilité, et donc, bien évidemment, tout dérapage possible, on n'est pas forcément dans l'intérêt public. D'autre côté, on a une obligation de régulation, et puis après, on a ces fameux phénomènes de captation du régulateur par l'industriel, et ces liens d'intérêt qui se créent, et puis qui aboutissent à ces dérapages-là, toujours les mêmes. Et c'est assez étonnant, parce qu'on peut se demander si ce n'est pas vraiment intrinsèque à ce système. Pourquoi est-ce que je vous parle du Stalinon ? On était parti sur quoi ? Là, vous parce que, comment en tout cas, et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer, Irène Frachon, et j'imagine que c'est ça au fond qui fait aussi que la question est hors norme, on a quand même du mal à imaginer qu'on laisse sciemment, effectivement, un médicament dont on sait que par ailleurs il fait polémique et qu'il est retiré, et qu'il est donc dangereux. Je vous confirme qu'on a du mal à admettre cela. Alors, c'est ça qui a fait que j'ai failli, moi aussi, être abusée. C'est-à-dire que, je peux vous dire que j'y ai passé des heures et des heures et des heures. C'est-à-dire que en 2007, je découvre une patiente qui a cette maladie des vaisseaux du poumon assez rare, l'hypertension artérielle pulmonaire, a consommé du Mediator, et je savais que le Mediator avait vaguement quelque chose à voir avec l'isoméride. Je demande au laboratoire, est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre Mediator et isoméride ? Laboratoire sérieux, quand même. Ils me répondent un truc estampillé, Servier, etc. Mediator et isoméride sont radicalement différents, tant en termes de structure chimique que de voie métabolique, c'est-à-dire le devenir dans l'organisme. Bon. Et normalement, ça s'arrête là. C'est-à-dire, je me dis, bah non, c'est une coïncidence, il n'y a rien à voir. Alors, comme la revue Prescrire disait quand même, le Mediator, c'est un peu comme l'isoméride. Je me suis dit, c'est une revue sérieuse, je vais leur écrire. Donc je leur écris, et ils me renvoient des très vieux articles des années 70 qui contredisent déjà un premier aspect de la réponse de Servier, parce que les articles qu'ils m'envoient sont des laboratoires Servier eux-mêmes, des chercheurs des années 70, et qui décrivent bien le Mediator dans la lignée d'isoméride. Donc déjà, ça ne colle pas. Mais c'est insuffisant, parce qu'après tout, s'ils ne sont pas tout à fait la même molécule, même s'ils sont plus proches que le dit Servier, ils n'ont peut-être pas les mêmes actions dans l'organisme. Et puis, mes pharmacologues me retrouvent, viennent quelques temps plus tard, et c'est une fiche non datée, non signée, vaguement faite à la main, assez moche, etc. Et ils me disent, ça, c'est aux mains de l'AFSAPS, c'est dans le dossier Mediator, etc. Et je regarde ce document, je le lis 10 fois, 15 fois, je crois que je le connais par cœur à la virgule près, et dans lequel, petit à petit, je découvre que quand on absorbe du Mediator, il apparaît dans l'organisme ce fameux poison, la norfinfluramine, bien que je n'arrive pas vraiment à voir les concentrations. Et vraiment, je me suis dit, mais je suis folle. Si c'est bien la norfinfluramine, ce poison mortel, identifié comme tel, et si vous l'identifiez officiellement, comme tel, c'est que vous n'êtes pas la seule a priori. Mais non, parce que c'est dans des publications scientifiques accessibles. C'est vraiment des chercheurs américains qui l'ont publié, qui ont lancé des warnings, c'est-à-dire c'est rarement écrit comme ça. C'est-à-dire que quand ils ont publié l'existence de ce poison, dans les résumés de ces publications scientifiques, ils disent « Nous demandons aux prescripteurs d'interrompre tout médicament, toute prescription de médicament qui pourrait se transformer en ce poison, la norfinfluramine. » Parce que ça va être responsable d'un désastre. C'est le terme utilisé. Donc, c'est tellement énorme que c'est peut-être pour ça que plus le mensonge est gros, mieux il passe, peut-être. Le procès réparera le désastre et nous y reviendrons. Alors, oui, vous me parliez du nombre de morts et du... Il faut que je vous interrompe parce que nous arrivons à la chronique de Philippe Meyer. Non, mais le nombre de morts,
Le nombre de ça morts. Ça n'a pas l'importance. Si. Si, quand non, même. Mais ça n'a pas d'importance au sens qu'il n'y a pas de concurrence à faire avec le nombre de morts. C'est, qu'il y ait plus de gens vivants que de gens morts, ça n'est pas le problème, me direz-vous. On est d'accord. 8h17, Brice Couturier, bonjour. Bonjour Marc Vinchet. Vous n'avez pas pris d'amphétamine ce matin, rassurez-moi. Non, j'ai beau être un ancien MOTS, je n'ai pas pris d'amphétamine. Et pourtant, vous savez que c'était la drogue préférée des MOTS. Mais enfin, passons. Écoutez... Class action contre Mediator. Oui, avec un principe de précaution gravé dans le marbre constitutionnel, avec un État aussi coûteux que le nôtre, puisqu'il absorbe 56% du PIB, ce qui permet d'entretenir une profusion d'agences et de hautes autorités dans tous les domaines, doublé par quantité d'autres agences exerçant leur vigilance au niveau européen, cette fois, on s'attendrait à ce que le consommateur français soit bien protégé. Et en particulier le consommateur de médicaments. Et pourtant, les scandales sanitaires se suivent et se ressemblent. Chaque fois, nos hautes autorités paraissent avoir réagi avec la lenteur prêtée par la légende à certains dinosaures qui, lorsqu'on leur marchait sur la queue, se retournaient 3 heures plus tard. Quant à l'indemnisation des victimes, elle présente une fâcheuse tendance à intervenir avec suffisamment de retard pour que la majorité d'entre elles soit décédée. Je rappelle que le procès de l'hormone de croissance qui s'est ouvert en 2008 avait nécessité 17 années d'instruction. Pourquoi le Mediator a-t-il bénéficié d'un sursis de 12 ans ? 12 ans puisque c'est en 1997 que les anorexigènes amphétaminiques, les fameux coupe-faim, ont été retirés de la vente. Alors le Mediator largue dans l'organisme une substance, le norphinfluramine, qui s'apparente aux amphétamines et qui, comme ces dernières, provoquent de l'hypertension artérielle pulmonaire et des atteintes graves des valves cardiaques. Certes, le Mediator ne se présentait pas comme un coupe-faim, mais comme un médicament destiné à combattre le diabète. Mais dans les faits, il a été prescrit à de nombreux patients ne souffrant de rien d'autre que de surpoids. En 2007, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSAPS, se réveille de sa longue torpeur et recommande aux médecins de cesser de prescrire le Mediator comme coupe-faim. Tiens, je croyais que ces derniers avaient été interdits depuis 1997. Et ce n'est qu'en novembre 2009 que le Mediator déjà interdit de vente chez nos voisins espagnols et italiens est retiré des pharmacies. Par bonheur, au sein de notre bureaucratie proliférante, il existe des agences chargées de surveiller les autres agences. Et c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'IGAS, qui a révélé les dysfonctionnements intervenus dans la gestion de l'affaire par la SAPS. Le rapport de l'IGAS met en cause la stratégie des laboratoires Servier pour retarder le retrait du Mediator, accusant Servier d'avoir, je cite, « anesthésié les acteurs de la chaîne du médicament ». En filigrane, il est question du manque d'indépendance d'experts dont les liens avec les laboratoires est avéré. Depuis, l'AFSAPS, déconsidérée, a été remplacée par une nouvelle agence, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Les risques de conflits d'intérêts sont, paraît-il, mieux contrôlés, on demandera des précisions. En attendant, les victimes du Mediator sont contraintes de se battre devant 2 tribunaux. À Paris, la procédure entamée dans la mesure où elle nécessite une instruction sera, on le sait, très longue. Devant le tribunal correctionnel de Nanterre, c'est une procédure bien plus rapide, celle de la citation directe qui a été choisie par les avocats des victimes. Mais il ne s'agit que d'une poursuite pour tromperie aggravée, ce qui sera plus difficile à démontrer. Je rappelle qu'en février dernier, François Hollande, pas encore président de la République, s'était déclaré favorable au système de l'action de groupe, le class action américain, qui permet à plusieurs victimes ayant subi le même préjudice d'obtenir réparation en attaquant l'auteur des faits incriminés lors d'une procédure commune. Jacques Chirac, on s'en souvient peut-être, avait fait la même promesse en 2002, mais semble l'avoir oublié en cours de mandat. Alors le temps n'est-il pas venu d'introduire dans notre pays cette procédure ? La rubrique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Irène Frachon, voilà, la chronique vous est soumise, vous êtes d'accord, pas d'accord. Tromperie, ce sera difficile, vous dit Brice Couturier, de prouver la tromperie aggravée, c'est ça les termes ? Tromperie aggravée. Alors non, en fait, l'instruction parisienne, comme la citation directe, s'intéresse au délit de tromperie aggravée et s'appuiera finalement sur les mêmes documents concernant cette tromperie et le laboratoire, entre guillemets, ne prendra pas plus cher dans une instance que devant une instance juridictionnelle que devant une autre pour ce délit-là de tromperie qui est complètement au cœur
de l'affaire du Mediator, parce que c'est vraiment une affaire. La tromperie, c'est quoi? C'est une entorse au code de la consommation sur des marchandises. Hein. Donc c'est un délit d'épicier. Hein. C'est pas. On est vraiment dans quelque chose. On a vendu de la Morora en le faisant passer pour voilà un médicament intéressant pour je ne sais quoi. Donc vraiment, on est dans une tromperie assez grossière et sur laquelle on a des éléments positifs qui peuvent être jugés par un tribunal correctionnel. Alors l'instruction, elle va sur des éléments beaucoup plus complexes et intéressants et là qui vont demander plus de temps, qu'évoque Brice Couturier, qui est le rôle des agences et le dysfonctionnement de ces agences. L'IGAS a dit, je comprends pas. Il y a eu sans arrêt des coups d'espèces de prestidigitation pour faire disparaître les signaux d'alerte du Mediator. Et que s'est-il passé? Et là, on arrive à l'évocation de ces collusions, corruption. On ne sait pas. Et là, effectivement, l'instruction est longue et complexe. C'est autre chose, c'est prise illégale d'intérêt éventuelle. C'est quoi la collusion alors? Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites collusion? Est-ce qu'on peut dire que tout le monde sciemment, au fond, a marché là-dedans, ou est-ce qu'il y avait aussi, entre guillemets, je ne sais pas comment le dire, parce qu'évidemment, il y a des familles de victimes qui nous écoutent sans doute, donc est-ce qu'il y avait aussi, une espèce d'air du temps, de tolérance à des choses dont on sait qu'elles peuvent être. Après tout, Ronnie Broman le dit, dans la préface de votre livre, le médecin savent qu'un remède et un poison, la différence entre un remède et un poison, elle n'est qu'à faire de dosage, Alors, il faut faire attention. C'est vrai qu'on dit que les médicaments, ils ont des effets bénéfiques. Alors, les serviettes disent, oui, évidemment, on sait très bien que les médicaments, ça peut tuer. Non, mais attendez. Ça peut tuer, mais on met les gens au courant. C'est-à-dire que, par exemple, les malheureuses victimes du Mediator, qui ont été opérées, elles sont sous traitement maintenant anticoagulant. Si elles arrêtent leur traitement anticoagulant, ne serait-ce que quelques heures, elles risquent de mourir parce qu'il va y avoir des caillots qui vont bloquer le fonctionnement du cœur. Donc, elles doivent avoir ce traitement-là. Mais ce traitement peut entraîner des saignements extrêmement graves et ça peut les tuer. Mais c'est marqué dans les notices. On surveille, on fait des prises de sang. On sait bien que, pour l'instant, on n'a pas mieux à proposer pour empêcher ces complications gravissimes de blocage du cœur par des caillots que de fluidifier le sang. Il peut y avoir des accidents hémorragiques et on les prévient, on les surveille. Donc on n'est pas du tout dans ce débat complexe du bénéfice et du risque. On est sur un effet de poison qui n'a jamais été mentionné et pire, qui a été dissimulé, comme je vous l'ai raconté. Donc là encore, on est dans une querelle d'épicier, pas dans une querelle de scientifique. On fait juste un petit mot, un sort pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la fin de la première partie de l'émission. Le combien de morts n'a pas d'importance, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'aurait eu qu'un seul, que le problème reste entier. C'est bien cela qu'on voulait dire en fin de première partie. La tromperie, c'est une tromperie sur la nature, les qualités, aggravée parce qu'il y a mise en danger, mais le max, si je puis dire, c'est 4 ans d'emprisonnement. C'est-à-dire, qui est ou non des morts. Ça n'est pas proportionnel au nombre de morts. Il faut quand même remarquer que le rapport de l'IGAS concernant la manière dont l'AFSAPS avait traité le Mediator est extrêmement accablant. Je cite, l'AFSAPS est apparue à la mission, dans le cas étudié, comme une structure lourde, lente, peu réactive, figée malgré la bonne volonté et le travail acharné de la plupart de ses membres, dans une sorte de bureaucratie sanitaire. Un certain nombre d'anomalies majeures de fonctionnement ont été identifiées. D'où la question brutale que je peux vous poser, c'est est-ce qu'il s'agit de conflits d'intérêts? Je veux dire, est-ce que clairement, comme on l'a laissé entendre, certains des membres ont été achetés d'une manière directe ou indirecte par Servier, ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une bureaucratie qui, comme les dinosaures, se retourne longtemps après que le mal ait été commis? Vous penchez pour quelle version, vous, Irène Frachon? Alors, le conflit d'intérêts ne veut pas forcément dire que les gens sont pourris. Le conflit d'intérêts, il est inhérent à toute relation interprofessionnelle et le problème tient plus à l'éducation et à la formation vis-à-vis de l'existence et des conséquences d'un lien d'intérêt qui devient un conflit d'intérêts. Alors, j'essaie de m'expliquer. Les experts sont très très fâchés quand on leur dit, là, vous ne pouvez pas prendre de décision, je ne peux pas valider votre avis, même alors que vous êtes extraordinairement compétent, parce que vous avez des conflits d'intérêts et donc c'est pris sur un sens moral en disant je suis un pourri, etc. Or, on ne parle pas du tout de ça quand on parle de conflit d'intérêts. On dit que
quelqu'un qui, d'un côté, va avoir à prendre des décisions de santé publique pour l'intérêt général, ou un prescripteur, et qui a par ailleurs des liens avec un industriel qui va lui rapporter un certain nombre d'avantages qui ne sont pas de la corruption en échange d'un, c'est en échange d'un travail effectif, c'est en échange d'une réelle collaboration. Ces deux situations-là vont éventuellement entrer en conflit sur la décision à prendre, et là se crée ce qui s'appelle un conflit d'intérêts. Alors, ces effets contradictoires sur la décision de l'expert, c'est qu'il va rendre un avis qui est en principe uniquement dirigé dans l'intérêt des malades, mais il va être influencé par ce qu'il sait de l'intérêt de l'industriel, avec qui il a de bonnes relations, quelles que soient ses relations. On n'est pas du tout dans une grosse enveloppe de corruption. Est-ce que ça comprend, par exemple, on sait que l'hôpital public n'a pas beaucoup d'argent. Bon, on sait que quand il y a des grands colloques très importants de médecine à l'étranger, de grands profs, de grands mandarins, de grands profs de médecine, peuvent se voir aider, je ne dis même pas le mot offrir, peuvent se voir aider pour leur voyage, l'hôtel, l'avion, par des grands laboratoires. Est-ce que c'est de cela, par exemple, que vous parlez? Oui. Qui peut entraîner ou pas une dérive. Mais pourquoi ne pas faire confiance aux gens aussi? Après tout, un prof de médecine qui va se rendre à un colloque à, je ne sais où, à Los Angeles, peut très bien dire oui. Peut très bien dire oui, tel laboratoire m'offre le billet, mais je reste indépendant. C'est là que ça marche pas pour vous? C'est là que ça marche pas. Dire oui, j'accepte ces billets, je peux pas faire autrement, mais je reste indépendant, ce qui serait. Il faut qu'il aille au colloque, il faut pas qu'il y aille. Non, la première chose, c'est que ce discours-là est inacceptable et qu'il faut former les gens à ne plus pouvoir sortir de telles énormités. C'est-à-dire que moi, je travaille avec des industriels, moi, Yann Frachon, et ma conclusion, c'est que je ne suis pas indépendante. Voilà. C'est-à-dire, après, on réfléchit. Qu'est-ce que je fais de ce constat? Est-ce que je prends des décisions de santé publique? Mais la première chose, c'est de reconnaître. J'ai vu il n'y a pas très longtemps une thèse de médecine absolument magnifique sur l'impact de la visite médicale. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est une thèse extraordinaire. Le jeune médecin a fait une étude scientifique et il a fait une corrélation remarquable entre le nombre de prescriptions, le nombre de passages de visite, médicament par médicament. Plus vous recevez de la visite, plus vous allez prescrire cher, plus vous allez prescrire les nouveautés. C'est complètement... D'ailleurs, sinon les labos n'y mettraient pas, je ne sais pas, 25 000 euros par médecin et par an, enfin voilà. Donc ça marche, comme la pub marche, vous le savez bien. Eh bien, ce qui est tout à fait extraordinaire dans sa thèse, c'est qu'à l'interrogatoire, tous ces médecins-là se disent indépendants, disent qu'ils conservent leur clarté, avec leurs données scientifiques, ce qu'ils ont appris, pour prescrire en toute indépendance. La contradiction, elle est flagrante, et je pense que ça passe... La répression n'est pas un bon système. On est là dans quelque chose de moralisateur, il faut d'abord former. Alors après... effectivement, il faut imposer de l'indépendance entre ceux qui décident et ceux qui collaborent avec l'industrie. Actuellement, il n'y a que les industriels privés qui fabriquent des médicaments. On pourrait imaginer un tout autre système de fabrication d'une part plus importante de l'État et pour la fabrication de ces médicaments. Peut-être qu'un jour on y viendra parce qu'il y a des ruptures de stock. On parle des médicaments qui tuent, maintenant on ne parle pas assez aussi des médicaments qui sont tout le temps en rupture de stock, des médicaments essentiels, parce que ce sont des médicaments génériqués qui ne sont plus rentables pour l'industrie pharmaceutique. Donc peut-être qu'il faut... Mais actuellement, ce sont des industriels privés qui fabriquent les médicaments, et il faut travailler avec eux pour l'innovation thérapeutique. Évidemment, il y a des magnifiques histoires d'innovation thérapeutique. Là où c'est choquant, c'est qu'on voit qu'à l'Agence du médicament, vraiment, ce sont majoritairement les mêmes experts qui ont ces collaborations de haut niveau avec l'industrie pharmaceutique, qui siègent dans les commissions d'AMM, sont des gens brillants, sont des gens intelligents, mais ils ne sont pas indépendants. Et... Là, on ne parle pas de corruption. Dans l'affaire du Mediator, je pense qu'il y a un autre stade. Alors que vous définissez comme hors norme à chaque fois. Hors norme, voilà. Il y a encore un autre stade, là. Oui, oui. On a appris des éléments dans la presse de pantouflage doré de responsables de l'AFSAPS, d'échanges de mails entre des hautes autorités de l'AFSAPS et des cadres de Servier pour défendre le Mediator. Des choses totalement ahurissantes. Mais là, c'est vrai qu'on a besoin de l'instruction et du résultat des perquisitions. Pour comprendre quelles ont été ces collusions qui vont bien au-delà de la difficulté qui ne concerne pas que le domaine de la santé de gérer le conflit d'intérêts dans nos institutions et dans nos décisions.
Raphaël Antoven, et nous passerons au coup d'œil de Thomas Cluzel. Raphaël. Oui, je voulais juste m'interroger sur les effets en termes de conscience collective, au fond, de l'affaire du Mediator. Bien sûr, il y a donc la cupidité des laboratoires. Normal, scandaleux. Un labo, il doit rendre compte à ses actionnaires, à ses investisseurs, à ses salariés. Enfin, il y a le commerce d'un élément vital, enfin, la cupidité des laboratoires. Il y a la bureaucratie préhistorique, je vous ai filé la métaphore de Brice Couturier, donc la bureaucratie et ses dinosaures. Il y a aussi peut-être une dimension propre au médicament lui-même, qui est le pharmacon grec, c'est-à-dire le remède qui peut être un poison. Et je me demande comment c'est interprété ou reçu en termes de conscience collective. Je ne fais ici que poser une question, au fond. C'est un médicament qui s'est retourné contre lui-même. C'est une solution qui est devenue un problème. C'est un remède qui s'est révélé pire que le mal. Et c'est une des dimensions peut-être de ce problème. C'est une dimension plus abstraite que les laboratoires qui font du blé ou bien la bureaucratie qui dort. Mais enfin, il me semble que c'est une dimension qu'il faut prendre en compte dans cette réflexion sur le Mediator. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est effectivement le troisième grand acteur qu'on oublie un peu, c'est le consommateur. Et l'idée qu'on a de la potion et du médicament en France, qui est extraordinairement forte. Et nous, rappelons qu'on est dans des pays, je crois que c'est ça, les plus consommateurs de médicaments, de psychotropes. On est très souvent confrontés... La potion-solution. Ouais, voilà. La potion-solution. Et c'est le geste... Vous savez que dans l'acte de soigner, il n'y a bien évidemment pas que la technique, il y a beaucoup la relation qui va s'établir entre le médecin et le malade. Et elle est établie sur la parole, sur un certain nombre d'éléments, mais sur la prescription, sur l'ordonnance, sur la plume qui prend la prescription. Et nous sommes confrontés, les médecins, parfois, à cette... Nous savons que nous allons avoir cette déception, créer cette déception, si nous n'avons pas l'ordonnance qui fait partie de l'acte de la consultation. Et c'est vrai qu'à l'inverse, ça a été un choc pour les consommateurs de réaliser que cet acte les conduisait à absorber des molécules qui ont des effets divers dans l'organisme et finalement dont le médecin ignore à peu près tout. Enfin, c'est horrible ce que je dis, mais il sait que ça va faire peut-être un peu baisser d'un point le diabète, etc. Mais la molécule, elle diffuse et elle va partout. C'est l'affaire du distilbène, ça se transmet même de génération en génération. Donc on ne maîtrise pas tout à fait ça. Et j'ai vu en consultation des gens qui ont été très choqués, mais ça c'est une bonne chose, hein. On va passer ce que j'appelle de la confiance aveugle à la confiance éclairée, là encore, à quelque chose qui doit arriver à la conscience des gens. Des victimes du Mediator qui sont venues me voir, apprenant qu'elles avaient conscience du Mediator, elles vont voir leur médecin traitant, qui leur dit « bien sûr qu'un médicament ça peut tuer ». Puis alors là, c'est l'effondrement, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Et ça, c'est un des chocs du Mediator. Et comment est-ce qu'on passe de la confiance, enfin, confiance à la confiance éclairée, la confiance aveugle à la confiance éclairée ? Enfin, comment éviter la défiance aveugle ? Après oui, la confiance la aveugle. Défiance, pour l'instant, on est un peu dans la défiance aveugle. C'est la formation, je pense. Enfin, moi, je suis très, très... Je pense Parlez l'éducation. Dans votre micro, Yann. Pardon. L'éducation des médecins, on en a parlé, sur l'éducation au conflit d'intérêts, etc. L'éducation des consommateurs sur le médicament, je pense que ça commence à l'école et ça se poursuit. Enfin, c'est pas demain la veille, avec tout le monde qui regarde les posologies sur Internet, des médicaments et des effets indésirables, vous avez le travail. Il y a, alors, comme toujours sur Internet, il y a le meilleur et le pire. Oui, enfin, il y a beaucoup le pire. Hein. Ah, il y a des forums et des endroits où on peut se cultiver utilement sur le médicament. Je vais en citer un. Forum atout.org du docteur Dominique Dupagne, qui est un exemple type du forum sur lequel on peut avoir une critique intelligente et avec des échanges réels sur des forums remarquables. Docteur Frachon, c'est l'heure du coup d'œil de Thomas Cluzel, 8h35. Oui, avec cet article du Monde publié vendredi dernier intitulé « Les potions amaigrissantes interdites ». Haro sur les potions miracles censées faire perdre du poids, écrit Pascal Santi. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la ANSM, nouveau nom donc de l'AFSAPS, a en effet décidé, c'était le 12 avril dernier, de condamner l'utilisation de 3 plantes et de 26 substances actives qui entrent dans la composition de ces potions. Car c'est vrai que tentés par des méthodes qui peuvent sembler naturelles, les consommateurs ont souvent recours aux plantes pour perdre du poids. Sauf que contrairement aux médicaments, ces préparations ne sont pas soumises à une autorisation de mise sur le marché. Le contrôle ne peut donc se faire qu'a posteriori, sans compter que ces produits ne sont pas toujours accompagnés d'une notice, ce qui ne permet pas une information claire et exhaustive du patient. Alors une dizaine de substances donc ne peuvent plus désormais être utilisées que pour des indications médicales.
Mais là encore, ces substances sont interdites. Si elles sont interdites en pharmacie, la plupart d'entre elles sont vendues sur Internet, hors donc de tout circuit officinal. Alors il reste sur le marché tout de même deux médicaments contre le surpoids, l'un délivré sur ordonnance et l'autre en vente libre. Seulement voilà, depuis la fin des années 90, l'arsenal thérapeutique s'est restreint, c'est vrai. Plusieurs médicaments, écrit Pascal Santi, ont été effectivement retirés du marché, suscitant pour certains, on le sait, de fortes controverses. Isomérite, Pondéral, Acompliga, sans parler bien évidemment du Mediator. Voilà donc le coup d'œil de Bocuse. Alors même les potions, hein, même les plantes, hein, on peut plus se fier à rien. Oui, alors cette question-là, elle ramène à autre chose dont on a parlé avec Marie Dariussec tout à l'heure, qui est la souffrance liée à des plaintes, et là, le surpoids. Le surpoids est une souffrance infligée, un mal-être réel, au-delà même de ses complications. Et on est actuellement assez désarmé pour répondre à ça. Ça m'a beaucoup frappé en entendant beaucoup de témoignages de victimes du Mediator. Elles se sentent particulièrement humiliées d'avoir pris du Mediator et dans les expertises juridiques de devoir répondre et s'expliquer sur leur surpoids et sur leur obésité. Elles sont traitées d'obèses avec un mépris total et ça les renvoie à une souffrance insupportable. C'est une autre dimension de l'affaire du Mediator. Ça renvoie à une question extrêmement intime du rapport au corps, de son propre rapport au corps, j'imagine, et alors à quelque chose qui peut à la fois paraître et très sérieux mais très futile sur un regard extérieur. Oui, c'est une image de soi qu'on peut vraiment être amené à détester. Et vous ramenez dedans avec insistance en vous disant vous l'avez pris parce que vous vouliez maigrir. Ouais. Enfin, alors qu'en plus, c'est hors AMM, vous l'avez demandé à votre médecin. Et donc, ces femmes se retrouvent en position d'accusées devant un certain nombre de. Est-ce qu'elles sont responsables elles-mêmes du coup de leur propre chute parce qu'elles ont voulu maigrir? Oui. Et qu'elles ont pris un médicament qui les tuait. Je voulais revenir aussi sur le fait que dans toutes ces affaires, on se retrouve, les victimes, quoi, à devoir prendre ensuite des médicaments, souvent pour la vie. Le Mediator, donc vous dites des anticoagulants, le Distilbène, ça occasionne aussi des perturbations qui font qu'on est amené à bouffer des trucs et à devoir faire confiance, et dans le cas du Distilbène, en étant soi-même enceinte, c'est-à-dire ce sont des grossesses hyper médicalisées parce que notre propre mère a bouffé du Distilbène. Donc on ne s'en sort pas. On est obligé de continuer malgré tout à faire confiance aux médecins, à l'ordonnance. Et voilà, et on continue à gober. Mais oui, parce que cela dit, malgré tout, il arrive quand même parfois que le médecin vous soigne. Absolument, absolument. Non, mais la confiance est entamée par ces affaires, et ça c'est très grave. La confiance qui devrait exister entre le médecin et son patient ou sa patiente. Irène Frachon, sur ce sujet-là, et puis Alors, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois qu'on a à travailler une autre idée de cette confiance. Elle est indispensable. C'est vrai que les médecins ont un rôle très important d'information, de traitement, de prise en charge, qui est lié à leur connaissance un petit peu technique. Mais il va falloir, et on est vers une évolution de cette relation entre le médecin et le malade, du fait simplement qu'on a aussi des patients beaucoup plus informés qui vont sur Internet, qui sont plus critiques. Et donc, cette relation paternaliste, elle disparaît. Et la position du médecin et du malade s'inverse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change avec toutes ces affaires? Est-ce que vous constatez autour de vous, parmi, je sais pas, vos collègues, malgré tout ce corporatisme. Est-ce qu'il y a une espèce d'humilité qui gagne un peu le corps médical? Oui, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Ouais. Est-ce que ce retour de bâton est une bonne chose? Est-ce que le passage du patient docile qui écoute comme un oracle les paroles du médecin au patient critique, surinformé ou surdocumenté qui va sur des sites plus ou moins fiables d'ailleurs pour faire la morale à son médecin, est-ce que ce passage-là de l'un à l'autre, d'une figure à l'autre, est une bonne chose au fond, ou est-ce que c'est une étape qui conduit vers une relation plus pacifiée au fond entre un médecin attentif et un patient humble et précis? Ah, moi je trouve ça indispensable. Mm-hmm. Moi je supporte pas effectivement l'idée de cette relation unilatérale du surplomb du médecin au-dessus de son patient et qui va le savoir-pouvoir. Enfin bon, moi j'y suis allergique. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a aussi fait réagir à l'affaire du Mediator. Parce que le savoir est un pouvoir, mais les contre-pouvoirs sont un pouvoir aussi. Je veux dire, donc le patient qui devient du coup. Alors j'y suis allergique, mais je suis pas naïve. Et je suis d'accord avec le terme de pouvoir contre-pouvoir. Et dans l'affaire des de ces médicaments et de ces drames sanitaires, c'est pas tellement sur une augmentation de la régulation que je compte, mais sur l'émergence d'un contre-pouvoir, les actions collectives, c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est violent, c'est pas rigolo, hein. Mais pouvoir contre pouvoir, lobby contre lobby.
C'est pas le monde des bisounours, mais il faut se défendre. Ah, mais de toute façon, ça ne l'était pas avant, quoi qu'il arrive, le monde des bisounours, c'est presque on comprend quand on lit votre livre. Donc de fait, on n'y perd pas grand-chose. Brice Couturier. Oui, moi je voudrais revenir sur l'étrange société dans laquelle nous vivons, dans la mesure où, dans une certaine mesure, il y a la junk food, le plateau devant la télé, l'huile de palme à tous les étages dont on sait que c'est une catastrophe alimentaire, donc une épidémie d'obésité dans tous les pays occidentaux qui mangent des saletés, et en échange, de l'autre côté, les coupe-faim, les demandes réitérées aux médecins de perdre du poids. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent d'agir en amont et que toutes ces magnifiques agences qui contrôlent notre santé et la qualité de nos médicaments se préoccupent davantage de notre nourriture en amont plutôt que de nous faire maigrir quand nous avons pris trop de poids ? Irène Frachon. C'est une question que nous avons posée à un certain nombre d'acteurs de santé avec le professeur Claude Gault, dont vous avez entendu parler, un grand défenseur de la, justement, de la prévention de la santé. Et nous avons proposé une plateforme de mesures à tous les candidats à la présidentielle et qui concernait beaucoup cette question de la prévention d'obésité et sur lequel nous avons obtenu un certain nombre de réponses. Mais on a besoin de stimuler énormément, je pense, pour prendre des positionnements plus forts sur ce contrôle et cette prévention d'obésité. Ça allait de pair avec des questionnements sur la sécurité routière, sur l'alcool, sur le tabac, sur les possibilités de classe action, sur la publicité des médicaments, mais l'obésité avait une part importante. Donc, effectivement, c'est très important. Qu'attendez-vous à partir de ce livre d'aujourd'hui, de ce qui va se passer, de comment les choses vont se dérouler avec pour revenir au procès de Nanterre, notamment Irène Frachon? On a entendu, pardon, juste des témoignages disant qu'on espérait au moins un regard de M. Servier vers les victimes. Ça, je crois qu'il ne faut pas trop compter dessus. C'est un très vieux monsieur qui vit, je pense, dans un autre monde et quelque part dans un autre siècle. C'est un apothicaire, absolument persuadé de la puissance de ses potions. Et je pense qu'il a bâti vraiment un empire sur une idée très très surannée de cette alors il doit y avoir un terme, la potion magique. Un autre siècle, je vous rappelle qu'il a reçu en août 2009 la Légion d'honneur remise par l'ancien président de la République. Oui, mais avec un discours aussi qui appartenait un peu à notre siècle. Quand Nicolas Sarkozy a fait l'éloge de Jacques Servier, c'est très impressionnant parce que ce qui était mis en avant, d'abord, c'était la réussite commerciale, donc c'était bien un commerçant qui était récompensé, et puis des analogies avec des grands noms du monde scientifique qui étaient surréalistes pour qui connaît la réalité des qualités scientifiques de Jacques Servier et de grands noms de la médecine qui étaient mis en vis-à-vis. Donc il y a aussi beaucoup d'inculture sur le plan scientifique. Alors vous attendez quoi ? Une réparation, des réparations réelles au sens à l'américaine, si j'ose dire, financière ? Vous attendez... Oui, moi je suis une femme assez pratique. Ce que je vois, c'est qu'un certain nombre de ces victimes ont tout perdu, gagnent 400 euros par mois parce qu'elles n'ont plus de travail, qu'elles ont des indemnités lamentables, qu'elles doivent, en plus qu'elles ne peuvent plus faire le ménage chez elles, on est vraiment dans des choses extraordinairement pratiques. Et une condamnation pour tromperie va débloquer l'accès à ces indemnisations. Les victimes sont dans les tribunaux civils. On peut faire une relation de causalité entre la maladie et l'exposition aux médicaments, mais si la faute n'est pas reconnue, il n'y a pas d'indemnisation. Si vous faites un accident aux anticoagulants, vous n'allez pas avoir une indemnisation de celui qui vous paye l'anticoagulant, qui fabrique l'anticoagulant, pardon, parce que c'est indiqué dans les notices. On sait qu'il faut surveiller. Donc il faut qu'il y ait une notion de produit défectueux ou de faute. Et puis c'est vrai que les victimes ont besoin d'entendre que la justice atteste de cette tromperie. Mais il y a des implications très pratiques et urgentes quand même. Brice Couturier. Précisément, est-ce que ce ne serait pas le moment d'introduire les class actions pour lesquelles François Hollande, candidat, s'était prononcé en février ? Est-ce que ça permettrait de hâter les procès et l'indemnisation des victimes qu'on ne se retrouve pas dans les situations qu'on a connues autrefois ? Alors, dire vrai, Xavier Bertrand a imaginé une class action, une espèce de class action d'État, là, faute de mieux, avec le vote d'un fonds d'indemnisation. Mais on ne va pas faire une loi à chaque catastrophe sanitaire. Et c'était une décision dans l'urgence, à une situation ingérable au cas par cas devant tous les tribunaux civils. Il va falloir en urgence réfléchir aux class action. Ouais.
Oui, dans le cas du Distilbène, vraiment, il faut être extrêmement courageuse. Moi, d'ailleurs, je ne m'y suis pas lancée pour en faire un procès face à cet énorme labo. C'est vraiment David contre Goliath. C'est une personne aidée d'une toute petite association qui paye un avocat avec cotisation des adhérents face à un labo qui a 20 avocats, qui fait appel sur appel. C'est vraiment un combat très difficile. Moi, je suis vraiment pour les class actions. Vous avez eu des moments de découragement où vous vous êtes dit apparemment que vous n'y arriverez pas, que c'était David contre Goliath tout de même? Alors après, là... Même si à la fin, David gagne, effectivement, mais enfin bon... Après la censure du livre et pendant l'été qui a suivi, il y avait Gérard Bapt qui ferraillait contre l'AFSAPS avec des courriers tout à fait, enfin, l'échange est vraiment à regarder épistolaire avec l'AFSAPS, c'est tout à fait extraordinaire, mais on n'avançait pas, on était face à un déni de toute responsabilité également de la part de l'AFSAPS. Le labo avait gagné, le livre était étouffé, et là je me suis dit à un moment donné, bon bah, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est raté. Et est-ce que c'est pas parfois un peu trop important ce poids que l'on vous fait porter, y compris nous d'ailleurs, dans les médias, vous êtes partout, on voit partout, et vous intervenez avec beaucoup de générosité, mais tout de même, est-ce que c'est pas beaucoup, est-ce que vous vous dites que non, voilà, c'est l'affaire de votre vie, après tout aussi? Je me dis que j'ai pas le choix, en fait, c'est-à-dire j'ai un objectif qui est effectivement de réparer et d'indemniser ces gens, parce que je les connais personnellement, que... Bon, c'est vrai que je ressens une très forte empathie à ce qu'il me raconte, une révolte. Et il va falloir aller au bout, lâcher maintenant serait absurde. Je reçois sans arrêt quand même des messages, des mails, des lettres, des courriers avec des victimes du Mediator. C'est très concret, c'est très humain, c'est très fort et on ira au bout. Oui. C'est un peu notre Erin Brockovich, en fait. Et bien, alors, je vais vous dire une chose, je ne l'avais pas vu. Irène Brockovich, oui, on attend ça, c'est un anagramme. On vous l'a déjà fait, non? Oui, bon. Oui. Et j'ai vu ce film pendant que se déroulait l'affaire du Mediator. Parce que je crois que c'est le Nouvel Obs, le premier, c'est Anne Crignon qui m'avait comparé Erin Brockovich. Je me suis dit, depuis le temps que j'avais envie de voir ce film. Et on l'a vu en famille, et ça a été une thérapie familiale, parce que mes enfants ont compris que leur mère était pas dingue, ou en tout cas qu'elle partageait sa folie avec d'autres, et que dans le film Erin Brockovich, à un moment donné, elle n'a même plus le temps de s'occuper de ses enfants, parce qu'elle est lancée dans son affaire et son enquête. Couple, de ses enfants, tout voilà, est sacrifié. Voilà. En fait, ouais. Et donc, les enfants qui parfois râlaient, enfin se disaient, mais maman est siphonnée, elle ne nous écoute même plus, quoi. Elle n'entend plus rien. Et vous dites, tout fait Mediator, à un moment donné. Enfin, vous voyez le Mediator partout. La nuit, j'en rêvais, je ne dormais plus, j'étais là, les yeux grands ouverts, en train de me dire, mais c'est terrible. Vous savez qu'il y avait des médicaments pour dormir. Hein. J'en ai pris. Vous rigolez, ça m'est arrivé de prendre un petit quart de pilule. C'est comme pour les allergies tout à l'heure. Oui. Ah oui, vous en avez pris. Oui. Vous savez que le livre s'ouvre sur le récit d'une autopsie. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Oui, c'est urgence. Hein. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment... On voit un cœur en gros plan, hein, dès qu'on commence le bouquin. Oui, mais c'est une femme avec qui j'ai discuté, une femme de 50 ans, mère de famille. Ouais. Et je la retrouve donc morte. Je tiens son cœur entre mes mains. Vous faites l'autopsie avec une... Avec une spécialiste d'autopsie. On était toutes les deux un samedi matin, voilà. Qui ouvre. Et petit à petit, on ouvre ce cœur. Et moi, j'étais obligée de sortir, prendre l'air. Enfin, c'est insupportable. Et parce que vous voyez à l'œil nu... Oui. Le dégât du Mediator. Le dégât. J'ai montré les photos. C'est comme le nez au milieu de la figure. Irène Frachon, Mediator 150 mg, avec donc le vrai titre qui est... Combien de morts? Combien de morts, bien sûr, aux éditions Dialogue. La question qui tue.